Merci beaucoup. C'est trop. Quel extraordinaire plaisir que nous avons de nous retrouver ensemble dans la même équipe, unie, soudée, tournée vers l'avenir. Cette extraordinaire énergie qu'on a démontrée l'an dernier, on la combine maintenant tous ensemble dans la même direction. 2017, c'est l'année où on va prendre notre élan. 2018, c'est l'année où on va prendre le pouvoir pour les Québécois. Et les victoires ont déjà commencé. Hier, à l'Assemblée nationale, nous avions le grand plaisir d'accueillir la première cohorte des nouveaux députés du Parti québécois de l'Assemblée nationale, la nouvelle députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, le nouveau député de Saint-Jérôme, Marc Boursier. Levez-vous, bravo pour vos victoires! Bravo! Bravo Catherine, bravo Marc! Vous êtes des signes avant-coureurs. Vous êtes les hirondelles qui annonçaient le printemps post-libéral. C'est une œuvre collective que ces victoires et ces gains, une œuvre collective de l'ensemble des militants, de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, et je voudrais que tous ensemble, on applaudisse leur remarquable travail. Toute l'équipe parlementaire du Parti québécois, levez-vous, qu'on puisse tous vous applaudir. Des gens qui travaillent sans relâche pour le Québec. Sans relâche. Une équipe formidable. Alors, je vais en nommer un. Je vais en nommer un qui, cette semaine, est sur la ligne de front. Et on le voit aux informations tous les jours avec ses concitoyens qui sont éprouvés par les intempéries en Gaspésie. On pense à vous, les Gaspésiens, et ça tombe bien parce qu'on a pour vous représenter un homme remarquable qui s'appelle Gaétan Lelièvre. Gaétan, à toi et au tien, on est avec toi, on est avec vous. Sur la Côte-Nord aussi. Et on a hâte d'être au gouvernement pour les aider mieux. Nos concitoyens gaspésiens, nos concitoyens de la Côte-Nord et tous nos concitoyens dont on sait que le réchauffement climatique est à leur porte. On en voit la vague arriver et il faut s'y préparer et on a pris trop de retard. C'est écrit, ça va être écrit, redécouvrez le Parti québécois. C'est un message puissant, un message qui s'adresse à nous, militants du Parti québécois, et un message qui s'adresse à tous nos concitoyens, hommes et femmes, de tout le Québec et de toutes origines. Redécouvrez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à redécouvrir. Un élan, une force, un projet passé de décennie en décennie, de génération en génération, et que nous incarnons, nous, dans cette salle, pour aujourd'hui et pour demain. Nos pères fondateurs ont marqué le Québec d'aujourd'hui. René Lévesque, en convainquant le Québec de nationaliser l'électricité, une audace folle à l'époque, mais qui a propulsé le Québec. Jacques Parizeau, un des architectes de la Caisse de dépôt et de placement, le plus grand levier économique de notre histoire. Ensemble, au pouvoir, et avec leurs successeurs, Lucien Bouchard, Bernard Landry, Pauline Marois, ils ont fait franchir au Québec des frontières nouvelles, créant le ministère de l'Environnement, lançant l'assainissement des eaux, inventant le zonage agricole, la loi de protection du consommateur, la loi de protection de la jeunesse, protégeant la santé et la sécurité des salariés, offrant à tous l'assurance automobile, l'assurance médicaments, faisant sortir des milliers de femmes de la pauvreté
grâce à la perception automatique des pensions alimentaires. Appliquant même au privé, seul en Amérique du Nord, l'équité salariale, offrant le meilleur soutien du continent pour les familles, grâce aux garderies de qualité et à faible coût, et à un généreux programme de congé parental. Quoi que l'on fasse, où que l'on regarde, dans le Québec d'aujourd'hui, on trouve partout la trace positive de l'action du Parti québécois. Pour donner aux acteurs locaux et régionaux des outils, du pouvoir et des ressources, pour partager la prise de décision avec les membres de la société civile, pour soutenir les coopératives et l'économie sociale. Tout ça, il faut le redécouvrir. Être membre du Parti québécois, c'est porter dans sa tête, ses tripes et son cœur la fierté de ses réalisations nombreuses, concrètes, extraordinairement positives pour le Québec. Prenez la transformation de notre économie, l'irruption d'une classe d'affaires francophone, locale, puis nationale, puis internationale. C'est au Parti québécois qu'on le doit. À la volonté et à la vision d'hommes comme Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry, le virage technologique de Québec, de Montréal et d'ailleurs. C'est à ces gens qu'on le doit, à leur vision, leur volonté. Il y a eu une année, une seule, où il y a eu au Québec la création de 126 000 emplois. C'est sous un gouvernement du Parti québécois que ça s'est réalisé. Jamais les libéraux sont arrivés proches de ça. Jamais. Jamais. Les résultats. Nous sommes le parti des résultats. Prenons le temps de les redécouvrir ensemble. On discute souvent de savoir qui est le parti de l'économie. Alors regardons les chiffres. Laissons-les parler dans ce graphique. D'abord, la croissance économique moyenne pendant les années de René Lévesque, puis les années Bourassa, puis les années Parizeau, Bouchard, Landry, puis les années Charest, l'année Marois, les années Couillard. Maintenant, je vais vous donner la marque finale, le score. Parti libéral, Parti québécois. Qui est le parti de l'économie au Québec? Ceci est un discours participatif, alors je vous demande de répondre à ma question. Qui est le parti de l'économie au Québec? Qui? Bonne réponse. Parlons maintenant de justice sociale. L'économiste Pierre Fortin a comparé l'évolution de la pauvreté au Québec et au Canada ces dernières années. Nous allons voir ici, en rouge, la pauvreté au Canada, en bleu au Québec, pendant les années Parizeau, Bouchard, Landry. La plus grande chute du taux de pauvreté de notre histoire. La plus grande. Que s'est-il passé avec le retour des libéraux? C'est clair et net, quand le Parti québécois est au pouvoir, la pauvreté recule, quand les libéraux reviennent, la pauvreté revient. Qui est le parti de la justice sociale au Québec? Qui? Encore la bonne réponse. 100%. Vous avez 100%. Tout ça, on l'a fait en tentant deux fois de faire franchir au Québec le seuil de la communauté des nations et en donnant aux Français la place qui lui revient dans ce coin d'Amérique, la première place. Que vous ayez pris votre carte du Parti québécois à sa fondation, où il y a 5 minutes, vous êtes toutes et tous porteurs de cet esprit, de cette audace, de cette exigence de faire toujours franchir de nouvelles frontières au Québec. Ça, il faut le redécouvrir en soi-même, comme militant.
et comme parti, sans inhibition. Il faut retrouver les sources de cette fierté et la rendre contagieuse. Parce que ces dernières années, plusieurs se sont détournés de nous. Ce n'est pas qu'ils ne nous connaissaient pas, c'est qu'ils ne nous reconnaissaient pas. Nous n'étions pas clairs. Nous n'étions pas nets. Nous n'étions pas constants. Et s'ils nous redécouvraient clairs, nets et constants? Durant la course au leadership, vous avez choisi un cap. En 2018, rendre au Québec le service le plus urgent qui soit, fermer le chapitre des années libérales et offrir au Québec un gouvernement honnête, dynamique, compétent. En 2022, obtenir le mandat de réaliser l'indépendance. C'est clair, c'est net, c'est constant. Nous sommes désormais tous unis pour tourner le dos au pétrole, pour miser franchement et résolument sur l'électricité, l'énergie renouvelable, les emplois durables, refuser le gaz et le pétrole de schiste, la fracturation, dire non, non et non dans tous les cas de figure à Énergie Est. Non, non et non! Même la présidente de l'Assemblée est d'accord. J'ai l'impression qu'on est soudés là-dessus. Ils passeront pas. Ils passeront pas. La proposition principale que vous avez entre les mains incarne une volonté écologiste plus déterminée que jamais. Dites à tous vos amis que désormais, voter bleu, c'est voter vert. Sur l'identité, la laïcité, nous ferons de grands pas en avant, structurant. Essayez de pratiquer ce mot-là, structurant. Mesurable, clair et net. Et pour le français, nous allons faire preuve d'une nouvelle audace. Jamais auparavant, notre parti, même sous Camille Lorrain, n'a proposé de réclamer une réelle connaissance du français à 100% des nouveaux arrivants et leurs conjoints et conjointes avant qu'ils ne prennent leur billet d'avion pour arriver chez nous. Jamais! C'est jamais arrivé. Jamais nous n'avions proposé un examen de français sérieux, opérationnel, obligatoire pour l'obtention des diplômes de cégep et d'université anglophone. Jamais. Jamais on n'a fait ça. Faire reculer le bilinguisme dans le milieu de travail, c'est aussi faire réduire le nombre d'unilingues anglophones. On va faire reculer le nombre d'unilingues anglophones au Québec à la sortie de chaque cohorte de cégep et d'université. On n'a jamais eu l'audace de demander ça. Jamais. Aujourd'hui, nous l'avons. Pour renverser, pour stopper le déclin du français sur l'île de Montréal et renverser la vapeur, il y a une condition indispensable, qu'il y ait une majorité nette de francophones qui habitent l'île de Montréal. Nous sommes à la veille du jour où moins de 50% des habitants de l'île auront le français comme langue habituelle d'usage à la maison. La langue qu'on parle en prenant les céréales le matin avec ses enfants. C'est la langue de transmission.
Si on passe en bas du cap de 50 % sur l'île de Montréal, comment voulez-vous qu'on intègre correctement les nouveaux arrivants pour lesquels le français n'est pas la langue première? Alors moi, je me bats depuis 20 ans pour que le Parti québécois ait l'audace d'affirmer que le maintien d'une nette majorité de francophones sur l'île de Montréal est un objectif national légitime et indispensable. Jamais on n'a fait ça avant. Jamais. Et ça, ça passe par la rétention des familles sur l'île. 50 % des familles qui quittent l'île de Montréal préféreraient y rester, mais n'ont pas les conditions pour le faire. On va leur donner les conditions pour le faire. Ça, ça passe par faire en sorte que les moyennes entreprises de 25 à 50 employés deviennent des endroits où la langue habituelle et normale de travail est le français. C'est une condition indispensable de la francisation des immigrants et il faut que ce soit obligatoire. C'est ce que nous proposons. Il faut étendre la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale, tourner le dos au bilinguisme institutionnel. Je vais vous donner l'occasion. L'effet combiné de ces mesures nous permettra d'enrayer le déclin du français et de prolonger puissamment le grand effort de la loi 101. Et si on faisait exprès, ensemble, de choisir les combats qui sont à la fois les plus efficaces pour le français et les plus rassembleurs. Si on essayait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Efficace et rassembleur. Dans la proposition que vous allez étudier et améliorer, vous trouverez des choix limpides qui répondent à tout ce qu'on a entendu cette dernière année en allant vous consulter pendant la course à ce que la commission politique a élaboré, à ce que l'exécutif du Parti québécois a concentré dans cette proposition principale. Des choix limpides. Non aux baisses d'impôts qui profiteraient aux plus riches, mais oui à mettre plus d'argent dans la poche des familles et de ceux qui en ont vraiment besoin. Oui à réinvestir dans les services publics d'éducation et de santé pour devenir beaucoup plus efficaces qu'aujourd'hui, répondre beaucoup mieux aux besoins de chacun. C'est ça le choix, ce n'est pas les baisses d'impôts, c'est les familles et la qualité des services publics. Êtes-vous ensemble là-dedans? Nous serons clairs, nets et constants. En plus, récemment, vous avez choisi un nouveau chef. Et si on faisait preuve de constance en le gardant pendant plusieurs années? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis disponible. Je suis disponible. Alors, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Redécouvrir le Parti québécois, c'est aussi une autre façon de se montrer. C'est avoir le cran de sortir de sa coquille, d'aller au-devant de ceux qui nous ont quittés, de ceux qui ne s'intéressent pas à nous, ou de ceux qui ont été convaincus par nos adversaires que nous n'étions pas fréquentables. Et ils travaillent très fort. Ils travaillent très fort pour faire ça. Restant fidèles et décomplexés dans nos convictions, il faut trouver une attitude nouvelle, étonner, faire des clins d'œil, être là où on ne nous attend pas, attirer l'attention, être convaincu et convaincant, mais sans être chicanier, rancunier, fermé, hargneux, sur les réseaux sociaux, là. Je pense qu'il y en a quatre dans la salle, là. Arrêtez ça. Sur les réseaux sociaux, arrêtez, c'est trop. Vous en faites trop, OK? Vous ne les convaincrez pas, de toute façon. Pas ceux-là. Il faut trouver le moyen d'être soi-même sans être abrasif. Accepter qu'on ne sera pas tous d'accord sur tout, qu'on ne va pas tous au même rythme,
et que l'important, c'est qu'on va tous dans la même direction et qu'on vise la même destination. Un exemple. Le Canada fête son 150e anniversaire. On pensait que le Parti québécois aborderait cette question avec un air grave, triste, rabat-joie. Mais non! Une nouvelle attitude, c'est aborder le sujet avec un sourire en coin. Un peu comme ceci. Et c'est pas fini. Hey Rod, as-tu le goût de fêter, toi? Toujours. En tout cas, cette année, on va être bien servi parce que c'est le 150e. 150e, 150e de quoi, au juste? De la Fondation de la Fédération du Canada. Ottawa va en parler toute l'année. Eh, ça risque d'être plate longtemps, ça. Non, non, quand on regarde un côté de la médaille, oui, mais sinon, si on regarde les deux côtés, ça risque d'être festif. Je suis comme pas convaincu. Par exemple, la ministre responsable de la fête, c'est Mélanie Joly. OK. Elle a mis ça sur Facebook au sujet du père fondateur du Canada, John A. Macdonald. John A. Macdonald valorisait la liberté, la diversité culturelle et sociale. Je vois pas le bon. Ben, lis maintenant une des déclarations les plus célèbres du père du Canada. Louis Riel sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. Louis Riel, c'est le chef métis francophone qui voulait une province française dans l'Ouest. Ça a pas l'air d'avoir marché. Non, John A. Macdonald favorisait pas tellement la liberté et la diversité culturelle et sociale. Ouh, il gagne à être connu, le père du Canada, dans le fond. Exactement, c'est ça ce qu'on va faire toute l'année. C'est ça, l'autre 150e. Ben oui, on va se partager les rôles. Ottawa va faire de la propagande et nous... On va faire des trous dedans. Quand je te disais que ça allait être festif. Pour en savoir plus, embarquez, participez, suivez-nous sur les réseaux. Ben, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter pour découvrir l'autre 150e. C'est en bas de l'écran. C'est pas le Parti québécois de votre grand-père. Il y en a qui nous ont dit, vous ne devriez pas faire ça parce que les Québécois, surtout les jeunes, ils ne s'intéressent pas à leur passé. Il y en a qui ont un genre de soif d'amnésie au Québec. Nous, on n'est pas dans l'amnésie. Nous, on prépare l'avenir, d'ailleurs, on transforme le Québec. Mais pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et on pense que toutes les sociétés saines doivent constamment rediscuter de leur histoire pour constamment actualiser leurs choix pour la suite. Et si c'était vrai que les Québécois ne s'intéressent pas à leur histoire, bien ça, ce serait grave et ce serait triste. Mais lorsqu'on a mis notre premier carré web sur le site Internet, ça a été le plus partagé de tous, un des 5 les plus partagés de toute l'année, presque autant que le soir de ma victoire. Il y en a de l'intérêt. Il y en a de l'intérêt. Nous travaillons, vous le savez, à un nouvel argumentaire, 50 réponses plus une sur l'indépendance pour les mois qui viennent, qui va, dans sa formulation, dans sa forme, être au diapason des techniques qu'on utilise aujourd'hui. Ça ne sera pas juste un livre, ça va être sur votre téléphone intelligent. On prépare avec nos partenaires souverainistes une feuille de route vers l'indépendance qui sera notre boussole commune en 2022 et qu'il faut commencer à élaborer dès maintenant. Nous allons parler d'indépendance sans inhibition, comme je l'ai fait en m'adressant au Congrès de l'Union des producteurs agricoles. D'ailleurs, je tiens à saluer la présence comme observateur dans la salle du président de l'Union, Marcel Groslot. Marcel, merci d'être avec nous. Marcel, qui, entre autres qualités, est un tête-ferdois, comme moi. Alors d'ailleurs, Chaudière-Appalaches, le congrès régional va se tenir à Thetford Mines, c'est un hasard. Et maman, si tu écoutes, j'arrive, loue pas ma chambre, OK? Alors oui, j'ai parlé d'indépendance devant les agriculteurs, oui, j'ai parlé d'indépendance devant les travailleurs du syndicat Unifor, comme j'en parle dans mes interventions à l'Assemblée nationale, et j'aimerais ça en parler pendant une heure de temps à la télévision avec Philippe Couillard. J'aimerais ça! Il hésite. Il me semble hésitant. En tout cas, l'invitation est toujours ouverte.
Rarement, ces dernières années, n'avons-nous eu sur l'indépendance, sur nos positions sociales, économiques, des positions aussi claires, une proposition aussi nette, une production média aussi inventive. Mais pour que nos citoyens découvrent notre message, il faut pouvoir le communiquer, rejoindre nos voisins, nos cousines, nos collègues. Et je vais vous dire un secret. Nous avons désormais, entre les mains, un outil extraordinairement puissant. Nos militants, nos membres et leur connexion Internet. Si nous décidons tous, nous les militants et les militantes réunis dans cette salle, et si nous amenons la moitié de nos 90 000 membres à mettre sur leur page Facebook et leur fil Twitter une capsule vidéo par semaine, elle va rejoindre, tenez-vous bien, autant de gens que si on achetait une minute de publicité à Tout le monde en parle. C'est ça la puissance combinée que nous avons parce que nous avons davantage de membres que tous les autres partis politiques du Québec réunis, et de loin, et de loin. Alors ces membres, il faut les redécouvrir, les mettre en contribution, les activer. Nous sommes collectivement une arme de persuasion massive. Finalement, et je tiens à vous dire que pour innover dans ce Conseil national, j'ai décidé de vous proposer de faire le samedi ce message aux militants et le dimanche un message aux Québécois. Et demain, je parlerai de nationalisme économique. Mais pour terminer ce message aux militants, je vous dis que redécouvrir le Parti québécois, c'est quelque chose qu'on dit à chacun de nos concitoyens. On leur dit, nous savons que vous avez soif de changement. On l'entend, ça. Nous savons que vous souhaitez un gouvernement honnête, compétent, des réponses claires, une détermination nouvelle,